L'avertissement s'adresse aux deux côtés, non pas que tous les responsables de part et d'autre soient tous hostiles à une négociation, mais parce que nous savons que du côté yougoslave comme du côté des Albanais et du Kosovo, il y a des résistances fortes sur la solution politique que nous mettons en avant, et il y a des résistances très fortes sur le principe même de la négociation. Laisser les Américains mener la danse. Et deuxièmement, on parle énormément de garanties internationales pour faire respecter un accord de paix. Non, vous avez parlé et insisté sur... Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il sera... Graduellement, la communauté internationale, quand il s'est aperçu que l'obstacle à la solution du problème venait de Belgrade, a imposé des sanctions sur Belgrade. De plus en plus. Si demain il devait apparaître que l'obstacle à la négociation pour une autonomie substantielle venait du Kosovo, les sanctions seraient appliquées sur le Kosovo.